bien le bonjour à tous et tous, chers naufragés d'Internet. Bienvenue dans ce match du jour, Suisse versus Écosse. Nous allons jouer avec la Suisse. Aujourd'hui, il y a aussi Allemagne-Hongrie. Mais j'ai décidé de faire le match Suisse-Écosse qui paraît beaucoup plus équilibré que Allemagne-Hongrie. L'équipe suisse qui a gagné son premier match. En tout cas, à l'heure où je parle, ils sont en train de gagner leur premier match. Je mettrai au montage si ils ont pas gagné finalement. Belle équipe de Suisse. La Suisse qui avait éliminé la France, on se souvient tous, en 2021. Akanji qui la donne à Rodriguez, l'ancien de l'AC Milan. Ce n'était pas une belle passe. Attention à cette équipe d'Écosse qui est à gagner. Il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Dans cette carrière. Aïe 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 aïe. Oh le tacle magnifique. Oh le tacle, il fallait le faire. Il fallait le faire le tacle. Il fallait Shaqiri qui la donne. Oh, buteur. Là, il y a quelque chose à faire. Malheureusement, la passe qui est mal donnée. Kieran Tierney, le milieu de terrain écossais, le défenseur qui la donne à Stock McTominay, le joueur de Manchester United. Ralston, oui, sur le côté. Là. Ryan Christie, il attend une solution. La solution qui arrive. La Suisse qui défend. Et malheureusement, la Suisse qui laisse McGregor seul au monde et qui encaisse directement son premier but grâce à cet homme. McGregor, quelle défense aux abois. Personne ne va sur lui. Et il enchaîne pied gauche dans la lucarne. Sommer ne peut rien faire malheureusement. La Suisse qui se fait surprendre ici en Allemagne pour son deuxième match de poule contre l'Écosse. L'Écosse qui a perdu 5-1 en match d'ouverture contre l'Allemagne vendredi. C'est une attaque. C'est une attaque suisse. C'est une attaque suisse. Malheureusement, Robertson qui surgit sur cette passe mal ajustée. Robertson. La Suisse qui a du mal. La Suisse qui a du mal. Ils arrivent à récupérer. Ils arrivent à récupérer. Ils essayent de relancer vite. Mais ils ont du mal. Ça passe quand même avec beaucoup de réussite. Ils passent. Ils passent. Le milieu droit, malheureusement, ça n'a pas abouti. Andrew qui récupère. Andrew. Ralston qui la donne à Schokland. Le buteur de cette équipe écossaise. La défense d'Akanji. Le joueur de Manchester City. Le très bon joueur de Manchester City. Il met un coup de physique de malade. Oh, aïe, 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 aïe. La Suisse humiliée. La défense aux abois. La Suisse complètement dépassée sur ce match. Mais que se passe-t-il? La défense suisse qui est complètement aux abois, qui laisse seul son gardien et Shankland qui vient enfoncer le clou déjà 2-0. Compliqué tout ça, compliqué pour les Suisses qui voyaient déjà leur deuxième victoire dans ce phase de groupe. Mais c'est pas fini. Un match de foot, ce n'est jamais fini. Malheureusement, les joueurs suisses qui n'arrivent pas à être démarqués. Attention à McGregor, McTominay. McTominay, la défense suisse qui ne comprend rien de ce qui lui arrive. Le gardien qui fait le job. Sommer qui est un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Et le centre en retrait dans ça, la c'est complètement mal géré. Mal géré, mais pourquoi il n'y a personne qui fait quelque chose? Mais c'est quoi ça? Mais il n'y a personne qui bouge dans cette défense suisse. Mais regardez, j'ai les joueurs et ils bougent pas. À mon avis, il y a un problème avec la Suisse. Il y a un problème. Ne prenez pas la Suisse sur FIFA. La Suisse qui se fait humilier par cette équipe d'Écosse. Vraiment, c'est l'humiliation totale.
Ça a l'air bien dosé, part ça. En profondeur, mais malheureusement il est hors jeu. Leurs appels sont mauvais. Les joueurs qui ont du mal à se trouver. Et l'Écosse qui humilie cette équipe de Suisse. Et la récupération du ballon. C'est incroyable, on n'arrive pas à faire deux passes. Hein. McGinn. Cette équipe de Suisse qui sur ce ballon. A du mal à exister. Oh là là. Oh là le tacle sur Shaqiri. Oh là 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 là. Voilà, Okafor. Okafor. Le buteur de l'AC Milan. Shaqiri. Shaqiri, malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner. La feinte de tir. La feinte. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Malheureusement, il frappe. La Suisse qui a le droit à un corner. Va-t-il marquer sur coup de pied arrêté ? Oh 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 oh. Oh non ! Oh non ! Et au final, ça ne donne rien. 3-0. La Suisse est triée par cette équipe d'Écosse. La Suisse en grande souffrance. La Suisse qui va tout de suite changer sa façon de jouer. Ah ouais ! Ah oui, d'accord, le dispositif. Moi, je déteste ce genre de dispositif, là, sérieux. Sérieusement, écoutez, on va laisser le dispositif parce que... c'est la Suisse qui va jouer comme ça. On va juste se mettre en pressing constant. Et c'est parti. Mais je comprends pourquoi j'ai beaucoup de mal à jouer avec cette équipe. Parce que je comprends rien en fait de comment elle est placée. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est la beauté du foot. Widmer. Widmer. Chaka qui essaye de faire quelque chose mais qui n'arrive pas. McGinn sur son côté. Il refuse de centrer. Il attend du renfort. Là, il y a clairement... Ouais, quelque chose à faire de balle. Pour les Écossais. Oh là là, ce qu'il un a mis à Akanji. Heureusement, Akanji qui ressort. Akanji qui ressort le ballon. Shaqiri, mais il y a faute, monsieur l'arbitre, sur Shaqiri là. Ça récupère. Ça récupère. Si il arrive à faire la passe. De côté. La passe était bien imaginée. Mais il avait tout lu. Il avait tout lu, l'Écossais. L'Écossais avait tout lu. Là, les redoublements de passes de la part de la Suisse. La Suisse qui a du mal à construire. La Suisse qui a du mal. Attention à McGregor. McGregor. Akanji. Akanji. Il n'arrive pas à récupérer. Malheureusement, cette balle. Oh là 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 là, il décide de foncer. Il est seul. Il est seul. Heureusement que Sommer est un excellent gardien. Sinon, la Suisse allait encaisser un nouveau but. Oh, le ballon qui est perdu. La Suisse qui n'arrive pas à se dégager. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours un Écossais dans leurs pieds. Il y a toujours un Écossais. Aïe, 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 cette défense. Cette défense cataclysmique. Allez, dégage. Dégage, Rodriguez qui fait le ménage. Rodriguez qui la donne à Endoy. Sous pression. Endoy. Les Suisses qui n'arrivent pas à se démarquer. Ils sont marqués à tous les postes. Et il la donne en profondeur pour Widmer. Widmer qui est passé avec un petit peu de réussite. Qui la donne à Shaqiri. Qui la donne à Okafor. Qui ne peut pas frapper. Okafor qui n'arrive pas à frapper. Zakaria. Zakaria, il n'arrive pas à la donner. La Suisse qui n'arrive pas à combiner. Malheureusement, la Suisse qui a beaucoup de mal. La Suisse qui a du mal. Elle a vraiment du mal, cette Suisse. Elle a vraiment du mal à trouver des espaces, à trouver des joueurs qui ne sont pas marqués. L'équipe d'Écosse qui est très solide dans ce match. Aïe, 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 aïe. La Suisse qui s'humilie. La Suisse qui s'humilie. La Suisse qui n'en peut plus d'être humiliée. La Suisse qui va finir par faire faute. À force de se louper comme ça. Oh là 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 là, la Suisse, la débandade. La débandade suisse, le goal, qu'est-ce qu'il fout? On ne sait pas ce que le goal fabrique, mais ça passe. Il ne fait aucun appel. Mais bien sûr qu'il se fait prendre le ballon, il ne fait aucun appel. Mais what the hell was that? Et voilà, le troisième but. Et non, le quatrième. Et non, Sommer qui vient sauver un petit peu la situation. La Suisse qui n'arrive à rien.
Le score est mérité. Et le remplacement peut avoir lieu. Ok. La Suisse qui récupère. Sans faute. La Suisse qui récupère. Mais Endoik a plus de jus. Endoik a plus de jus. Qui la donne. Il faudrait au moins sauver l'honneur. Avec cette passe ratée, ça ne risque pas. McGinn. Ce qu'ils arrivent à faire, les Écossais. Ça rend la Suisse complètement dingue. Attention, il y a des possibilités. Mais qu'est-ce que c'est que ce centre ? C'est un centre qui va au sixième poteau. La défense éclatée au sol. Attention. Heureusement, Sommer est là. Debout, Sommer, debout. Il n'y a rien du tout. Ça sort. Quoi ? Un corner ? La Suisse qui n'aura pas réussi à marquer, malheureusement. Un corner bien, je veux bien frapper. Heureusement que Sommer était là, sinon il y aurait eu 10-0. La lourde défaite, 3-0 contre l'Écosse. Une Suisse complètement aux abois, surtout avec moi aux manettes. Dans la vraie vie, je pense que le score sera tout autre. J'espère que tu as aimé ce cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve demain pour le match du jour. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Ali pour vous servir.